quand tu veux, Ludwig von. Ok, à mon signal, 1, 2, 3. On a réussi! Grâce à ce bijou porté en pendentif, papa va avoir les mêmes super pouvoirs que les frères Mario! Youhou! Bon sens que je suis génial! Excellent travail, les garçons! Merci, Papounette! Mais il subsiste un problème que je n'ai pas résolu! Le pendentif que Ludwig von a créé est bien magique! Mais ses pouvoirs ne fonctionnent que dans le monde réel! Justement, c'est parfait! Parce qu'on sait que ces sales plombiers ne peuvent pas utiliser leurs pouvoirs dans le monde réel! Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de leur tendre un piège afin de les attirer là-bas! Et puis, une fois sur place, mes super pouvoirs m'aideront à les éliminer! Et ça en sera fini de ces deux plombiers à la gomme! Oh, des ennuis en perspective! C'est la forteresse volante de Bowser! Oh! Allez, Mario! Relâche mon frère immédiatement, Bowser! T'as qu'à venir le chercher! Il emmène Luigi dans un tuyau de téléportation. Exactement, le plombier. Tu as tout compris. Alors si j'ai un bon conseil à te donner, suis-nous. Sinon, tu ne le reverras jamais. Tiens bon, Luigi, j'arrive. Reste au royaume pour couvrir nos arrières. Oh non, à chaque fois, c'est pareil. Je peux jamais vous accompagner. Pourquoi c'est toujours moi qui reste? Fais-moi confiance, tu comprendras plus tard. Où est-ce que nous sommes? Alors ça, pour une surprise, nous sommes à Paris. Regardez là-bas, c'est Bowser et Luigi. Vous croyez que vous pourrez m'attraper? Attendez de voir Super Bowser. Qui? Super Bowser? Qu'est-ce que c'est encore cette plaisanterie? Ceci n'a rien d'une plaisanterie, je suis très sérieux. Va dire à tes amis de regarder ça. Mais ça marche! Laissez-moi vous présenter un nouveau héros! Voici le Bowser Raton Laveur! C'est pas vrai, je rêve! Non, malheureusement! Et le pire, c'est que nous ne pouvons pas utiliser nos pouvoirs ici! C'est une catastrophe! Que diriez-vous de découvrir Paris depuis les airs, princesse? Très bien! Puisque vous ne semblez pas apprécier cette visite guidée, je crois que je vais vous abandonner là. Ne fais plus un geste, Bowser Raton Laveur, tu es cerné. Évite d'aggraver ton cas en toi tout de suite et détache ta queue. Désolé, Mario, mais je m'amuse trop pour m'arrêter maintenant. Tout va comme vous voulez, messieurs. Pas exactement, non. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Soit j'ai la berlue, soit il y a un raton laveur géant qui se dirige droit sur moi. Mais oui, c'est bien ça, que quelqu'un appelle la police. Si vous trouvez que je suis bon en raton laveur, alors vous allez sûrement m'adorer en grenouille. Nom d'une pipe en bois, je n'arrive pas à le croire. D'après ce qu'indique mon sonar, une énorme grenouille s'apprête à nous torpiller. Et maintenant, capitaine, vous arrivez à le croire? Non seulement elle est géante, mais elle est enragée. Je me suis fait mal à la papate à cause de votre sous-marin à la noix. Et ça, vous allez me le payer. Vous avez bien entendu. Paris m'appartient, les enfants. J'ai suspendu la princesse à la tour Eiffel, et quant aux frères Mario, je les ai emprisonnés. Alors si vous aviez en tête de visiter un jour la ville Lumière, c'est le moment de venir. Vous pourrez visiter le Louvre, le Sacré-Cœur, manger de la bonne baguette, ou encore faire du shopping. Je crains qu'on ne sorte jamais d'ici. Sans nos pouvoirs, nous ne pouvons rien faire contre Super Bowser. Maintenant que les frères Mario ne sont plus là pour me gêner, ce n'est plus qu'une question de temps avant que Paris ne devienne... Qu'est-ce que vous regardez, tous les deux? Non. Ne me dites pas que vous avez jamais vu de reptiles sur le point de conquérir le monde. Nous devons vite nous évader avant que Paris ne soit entièrement détruite. Ça donne quoi avec ta cuillère? Elle est tellement petite, c'est dur. Oups. Oh, il ne manquait plus que ça. Voilà que je l'ai tordu. Alors, messieurs,
Oh. Ouah, cet ensemble te va ravir, ma petite Wendy. Tu es au-delà du merveilleux. Je te remercie, papa. Je savais que je pouvais compter sur toi pour me donner un avis objectif. C'est ça, débarrassez-nous de ces horribles tableaux. Il faut libérer de la place pour que nous puissions exposer nos chefs-d'œuvre. D'un autre côté, en faisant des retouches à certaines de ces croûtes, je pense que nous pouvons les rendre presque regardables. Je vais envoyer un message pour demander de l'aide. Non, reste au royaume pour couvrir nos arrières. Pourquoi c'est toujours moi? C'est pas juste. Un message de la princesse? Heureusement que j'ai eu l'excellente idée de rester ici à les attendre. Et voilà, c'est bon. À nous deux, monde réel. Puisque c'est votre premier jour de détention, exceptionnellement, vous avez droit à de la visite. Je ne comprends pas, ce n'est pas mon anniversaire et ce n'est pas le tien non plus, Mario. Est-ce que ce serait le vôtre, capitaine? Oh, Toche! Allez, grand-père, tu leur as donné ton gâteau, maintenant du balai! Même si ce n'est pas mon anniversaire, un gâteau, ça fait toujours plaisir. Ce n'est pas un gâteau, Luigi, c'est un super bloc. Hein? Oh, comme c'est dommage, j'ai une de ces faims, moi. Hey! Alerte générale, alerte générale. Les prisonniers sont en train de s'évader. Espèce incapable, va. Ludwig von, prends le volant. Il va falloir que Super Bowser intervienne de nouveau. Hé, hey, là-haut, regardez! On dirait un rapace. Ce serait pas un avion, plutôt? Mauvaise réponse, tête de truffe. C'est Super Bowser. Hein? Attrape, Luigi! Au revoir, capitaine! Au revoir, messieurs les ratons laveurs! Je comprends maintenant pourquoi je devais rester au royaume. Désolé de m'être énervé. Attention, Mario, réflexe! Fou alors! Est-ce que tu crois qu'on l'a neutralisé? Grâce à mon pendentif, je vais me faire une botte de courribeau. Et ensuite, je pourrai enfin me débarrasser des plombiers. Dis-moi que je rêve, Bowser s'est procuré une botte de courribeau. Attendez que je vous rattrape, je vais vous écraser comme des fourmis. With power to spare, my car Ruby takes me everywhere.
bande d'affreux reptiles n'est pas prêt de remettre les pattes à Paris. Ça c'est clair, Bowser pensait peut-être que son pendentif suffirait à le rendre invincible. Seulement vous et moi savons que personne n'est de taille à lutter contre Super Mario et Super Luigi. C'est gentil Toad, mais tu sais, nous n'aurions jamais pu faire tout ça sans ton aide.